Nous, on a toujours habité là. On a toujours vécu dans les bois. Et ça coulait de source, en fait, de mettre des cabanes dans les arbres, enfin d'avoir des logements au moins en chambre d'hôte à Canon. Oui. Parce qu'il y a la ferme pédagogique, donc il y a tous les animaux là tout autour. Il y a le cidre, enfin toute la production biologique, donc le jus de pomme, le cidre, les cabanières sont super contents. Oui. Et puis on a une île, donc c'est quand même fou, on a une île avec trois arbres magnifiques, et dont le fameux platane là, qu'on a vu tout à l'heure, qui monte à 35 mètres, et nous on a mis la cabane à 22 mètres. Quitte à être dans une cabane, dans un arbre, autant qu'elle soit haute la cabane, ouais. Parce que du coup vous avez le mouvement de l'arbre, vous avez la vue, et puis on n'est plus dans le tronc, on est dans la main de l'arbre, donc c'est plus du tout pareil, ouais, on est vraiment dans le sommet de l'arbre. Moi, je suis dans une philosophie où les cabaneurs veulent vraiment être tout seuls, veulent être tranquilles, ouais. Et veulent être vraiment reçus un peu personnellement, comme si c'était un peu des gens de la famille, c'est le principe des chambres d'hôtes. La cabane, il faut être amoureux parce que vous rentrez dans la cabane, il y a juste un lit et une petite tablette pour mettre la lampe à pétrole et c'est tout.